Nous savons très bien, ce ministre nous a trahi la Guinée depuis au temps du général Lansana Conté. Nous ne sommes pas étrangers à ça. Ça ne nous a pas surpris, nous le savons très bien. Au moment d'Alpha Condé, on avait demandé à Kansori de faire une consultation de la population par rapport au panier ménager. Au moment où la vie des Guinéens était chère, Kansori s'assoit, il retourne, il dit les Guinéens vivent très bien. Moi, c'est là-bas, il m'a déçu. Je ne suis pas surpris voilà, de son arrestation. Oui, ça me va. Vraiment, c'est des gens qui n'ont pas pitié de la Guinée. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est des gens qui ont soutenu le troisième mandat, qui nous ont sombrés, qui ont vraiment plongé la Guinée dans cette crise. Vraiment, moi, je ne suis pas surpris. Et ça me va pour l'arrestation. Tous ceux qui sont pris de la Guinée, ils nous ont trahis, ils nous ont menti ici. Que c'est un bon président, ils sont en train de gouverner. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à rembourser tous ceux qui sont pris. D'abord, c'est étonnant. Ça a été une surprise pour pratiquement tout le monde. Mais si une personne doit rendre des comptes, bah, qu'il le fasse. Alors, si la transition trouve que c'est normal, nous aussi, on a besoin des comptes parce qu'on est là, on voit ce qui se passe, mais au fond, on ne sait pas. Voilà. Bon, l'incarcération de Kassori, bon, c'est moi, je trouve ça très bien. Parce que Kassori, bon, c'est un ministre que moi, je n'apprécie pas beaucoup. Pourquoi? C'est à lui aussi. Il nous a trahi plus de 3 fois ou 4 fois. Pourquoi je dis ça? Kassori nous a détourné ici, temps de Lansana Conté. Il a été en États-Unis pour les études. Il est parti étudier là-bas. Normalement, quand il revient, il devrait travailler pour les Guinéens. Il revient encore, toujours pour nous trahir encore. C'est pour cela que moi je trouve ça normal. L'incarcération de Kassori, c'est normal. Il n'a qu'à s'identifier comment ça s'est passé là-bas. Selon moi, l'État doit revoir sa position. Pour tout jugement, il faut d'abord voir des préalables. Si c'est bon, s'ils ont détourné réellement, ils n'ont qu'à voir. S'ils n'ont pas détourné, ils n'ont qu'à les laisser. Voilà, comme dit Blouboya, il dit que la justice sera la boussole. Il n'a qu'à revoir sa position très bien. Pour tous ces actes posés, il n'a qu'à revoir. S'ils ont volé réellement, qu'ils soient dedans. Voilà, qu'ils les condamnent fermement à perpétuer. S'ils ont volé réellement, voilà. S'ils n'ont pas volé, il n'a qu'à les laisser. Selon moi.